Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 27 et aussi, on va peut-être ouvrir là, ce que le facteur m'a apporté. Je voulais remercier vraiment tout le monde et spécialement pour le LA Confidential, Thomas, Charlot, Antoine et Olivier. Merci aux boys qui m'ont envoyé 6 variétés 4A. Comme je vous ai dit les boys dans la dernière vidéo, là, du cannabis que vous m'avez envoyé, je suis vraiment critique, vraiment, vraiment pointu sur votre cannabis, mais c'est excellent votre cannabis, là, vraiment, vraiment très, très, très bon. Le LA Confidential, j'adore ça déjà d'avance. Il y a du LA Confidential à la SQDC. Sur le site internet, c'est pas disponible. Ça a été vendu avec Aurora. On a le LA Confidential. Puis ça coûte pas cher, le 3,5. Ça veut dire pas cher, ça veut dire 26,90. En bas de 30$. Et j'avais essayé ça au début de la légalisation. Et puis, j'avais aimé ça. Ça, c'est un petit peu plus haut de gamme. Comme je vous ai dit, les boys, j'adore votre cannabis. Un petit peu de feuilles sucrées, des petites feuilles, un petit peu plus que peut-être d'autres variétés que vous m'avez envoyées. Du trichome, c'est super beau. J'ai été capable de garder l'humidité. Vraiment beau. Ça ressemble à du grill, les boys, pour comparer un peu la qualité. J'égraine ça les boys, puis on va pouvoir, et les girls, et puis on va pouvoir ouvrir ce que le facteur m'a apporté. Donc avec le joint là, qu'ils m'ont envoyé, la quantité qu'ils m'ont envoyé, c'était près au moins 1.5, si c'est pas 0.6. Et puis, je vais essayer de prendre un rouleau 1 1/4. On va essayer le Skunk Brand. Le papier est blanc, puis ça fait longtemps que je fume du papier biologique. Comment ils appellent ça? Bio, chanvre. En tout cas, ça a un petit goût. Puis là, grâce à vos cadeaux, ben j'ai du papier blanc. Comme dans le bon vieux temps, quand je fumais mon M39 avec du zigzag. Puis... la prochaine fois là, que je vais aller me chercher du papier, je vais me prendre des paquets de papier blanc. Ce ne sera pas des papiers là, organiques. Il y a des papiers qui sont non blanchis. Puis quand c'est non blanchi, ça donne un petit goût. Je suis tanné. Depuis la légalisation, j'ai changé de papier. Ça faisait 20 ans que je fumais toujours avec du zigzag ou bien du... j'avais des OCB aussi. Et puis... Rizla, hein? Ça qui est beau, dépendant. Rizla, OCB et puis zigzag. 80% des fois, le 8 fois sur 10, je prenais du zigzag blanc. Pour ça, j'ai eu une passe de Rizla gris. Le Rizla, le carton était gris. 1 1/4. Donc, j'ai une bonne quantité de cannabis là-dedans. Je ne l'ai pas fumé, mais je sais que je vais l'aimer beaucoup, les gars. Je me rappelle plus par cœur là, les deux variétés que j'ai essayées. Mais ça, je sais que je vais l'aimer beaucoup. Bon, par quelques cadeaux qu'on va commencer. On va commencer par... on commence par la grosse boîte. On va commencer avec ça ici. On me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Dans les cadeaux, il y en a 3 sur 4 que je sais c'est quoi. Merci à Charlot, Antoine, Thomas et Olivier pour du LA Confidential. De qualité, vraiment très beau le cannabis. Il sent très bon.
Il sent tellement bon, mais c'est pas gazi. Puis quand on regarde un peu les informations, c'est sûrement ça l'odeur de skunk. L'odeur de skunk que j'aime. Mais j'aime mieux gazi, mais skunk, c'est très très bon. Ils disent odeur de pinène, mais avec skunk. Oui, il y a un peu de pinène avec le skunk. C'est sûrement du cannabis qui a été fait pousser par des professionnels et qui n'a pas été irradié et puis qui a plus de goût. J'essaie de savoir c'était quoi, avec quel croisement qu'on pouvait faire le LA Confidential. Et puis, il y a deux sites que je regarde beaucoup, dont Leafly. Et puis, j'ai pas été capable de le trouver. Je pense pas là, que le LA Confidential, ça soit une land race, hein, un pur cannabis sans avoir été croisé. Très connu, le LA Confidential, c'est vraiment très populaire. Excellent goût. Excellent goût, beaucoup meilleur que le produit d'Aurora, mais je vous recommande aussi le produit d'Aurora quand je vais être capable de me le procurer, le LA Confidential d'Aurora, je vais le faire. J'aime mieux celui-là que le couche-couche. Je sais que j'avais fait. Le couche-couche avec vous autres, les quatre gars. Vous m'avez envoyé aussi le Purple Haze et puis le LA Confidential, c'est vraiment mon meilleur des trois. On va commencer avec la grosse boîte. Je vais tasser mon décor un peu là. Merci de m'encourager les boys, donnez-moi un pouce. Allez m'acheter un t-shirt Weedman, devenez mon Patreon. Oui, Dandycommand aussi là, sur Instagram. Ok, comment qu'on va ouvrir ça? Ça, c'est le cadeau que je sais pas c'est lequel. Puis les autres, faut pas que je me trompe. C'est du cannabis. Dans un contenant de la SQDC. Et puis, c'est léger. Et boy! J'ai mon adresse toute. Merci à celui qui m'a envoyé ça. J'espère que c'est identifié à l'intérieur. Hey, les boys, mon paquet a été fouillé. A été fouillé par Post Canada. Nous nous excusons pour le retard dans la livraison de l'article. Il a été ouvert pour être inspecté en vertu de l'alinéa 41.1C de la loi sur la Société canadienne des postes. Nous avons pris cette mesure parce que nous avions des raisons de croire qu'il contenait des objets inadmissibles. Après l'avoir examiné, nous avons conclu que le contenu de ce paquet était transmissible par la poste. Il a donc été recacheté pour vous être envoyé. Nous apprécions votre compréhension et nous regrettons les inconvénients que cette situation risque d'avoir causé. Wow!
Wow! Wow! Wow! Qu'est-ce que vous m'avez envoyé qui a été inspecté? Wow! Oh, il y a des trombones pis tout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe, allume! Ton paquet est ouvert par Post Canada! Ah ben, hey, ils ont ouvert ça le gros là, ils ont ouvert le paquet là. Ah man! Bro! 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 Bro man! Wow! Il y a une lettre toute! J'ai un contenant comme ça! Ok, j'ai un message, les gars. Plein de trombones. Je sais pas ce qui est arrivé avec les trombones. Il y a des pleins de trombones. Plein de trombones. Ok, écoutez, on est en vidéo, les gars. C'est arrivé, mon chum. Je viens de comprendre, là. Ça fait longtemps que tu m'avais envoyé ça, hein? Bonne 200e vidéo, mon Winman. J'étais là à ta première, à ta 100e, et là, ta 200e. Lâche pas de nous faire sourire en nous informant sur le cannabis du monde entier. Peace, Yannick. Hey, merci Yannick. Je pense que ça, c'est le Rockstar Kush de Spinach. Oh, il est neuf. Oh, il est neuf. Puis, ils ont cassé le chose du Post-Canada. Ils ont cassé ça, puis ils l'ont pas ouvert ici. Ils ont bien vu que c'était un vrai. Wow! Wow! Post-Canada, ils l'ont cassé pour vrai, les gars. Puis, ça a passé. Ça a passé. Ouh! Ça a l'air fou, ton affaire. Ouh! Mike Tyson, une petite affaire Mike Tyson, c'est. Tabarnak! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah oui! Ah, c'est ça que j'aimerais avoir comme sensation à chaque fois que je joue du cannabis de la SQDC, man. C'est écrit ici, là, 4A+. Qualité 4A+, écoute, c'est. Tu rouvres le contenant, tu sais tout de suite. Là, Gazi, tu veux Gazi, Mike Tyson? Wow, 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 wow. Hey les gars, on est-tu en choc? On est-tu en choc? Ça nous a sauvés, hein? Ça nous a sauvés parce que sinon, d'après moi, il n'y a rien qui passait. Là. Une chance que ça, c'était là, mon homme. Parce que d'après moi, là, ça n'aurait pas passé, là. Wow! Wow! On nous watch! Wow! On va faire attention, les boys! Tabarnak! Je suis sur la blacklist. On a des raisons de croire. Il m'a donné aussi des informations là, sur le Mike Tyson. Alright, ça c'est un cadeau qu'on avait parlé. Puis, je vais regarder ça, ce message-là. Tous des souvenirs. Merci Yannick, merci, merci. Écoute, tu me l'as envoyé. Je te la recevais pas. Là, tu te posais des questions. Là, on a la réponse. On a vraiment la réponse. Donc, les gars. Ça a sauvé le paquet au complet. Alright? Ça va être top à ce temps de m'envoyer des échantillons, les boys. Là. Tabarouette. Ouais. Alright. On roule ça, les boys.
On ouvre ça. Puis ça, je sais c'est quoi. Je pense que je sais c'est quoi. Je pense que oui. Je pense que oui. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. On va faire des vidéos là-dessus. Hein, sur le Rockstar Kush de Spinach. Et puis, du fucking weed. Mike Tyson qui va topper. C'est sûr dans mon top 5 à vie. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ok, on a un couteau, fait qu'on va l'utiliser. Et que ça doit coûter cher, ça, du Mike Tyson. Oh, que ça doit coûter cher, man. Ok. Et boy, that's it. Y a-t-il un petit message? Qu'est-ce que c'est ça? Alright. Alright, merci, merci. On va ouvrir ça. S'il n'y a pas de message, hey, c'est où? C'est 20 stocks, ça, mon chum? Hey, merci beaucoup. Ça va être plein de contenants. Des contenants bizarres. C'est quoi ça? Des sprays? C'est quoi? Pré-roulé, pré-roulé. C'est Jean. C'est Jean qui m'a envoyé des produits avec CBD. Joint pré-roulé avec CBD. Ici, il m'a envoyé du Pure Sun CBD. Ça, il se procure ça, lui, en Ontario. On peut voir là, l'étiquette jaune. Hey, le paquet est neuf. C'est pas un échantillon, ça, là. Là c'est un paquet neuf. Jean, là, qui m'envoie, là... qui m'a envoyé beaucoup, beaucoup de variétés avec CBD, des fois avec un petit peu de THC. Il y a toujours du CBD dans les produits que Jean m'envoie. Bon, est-ce qu'il y a du CBD là-dedans? Merci pour le briquet. Fire and Flower, c'est un fournisseur, là, un distributeur là, qui a pignon sur rue là, en Ontario. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est quoi ici? Ah, de la corde de chanvre. Ouais, il va falloir que j'utilise ça, hein. J'ai pas de bande et tout ça. Merci, merci, merci. Et ça ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu 3 joints pré-roulés là-dedans? My God, bro! Hey, merci beaucoup, Jean. Une boîte au complet avec 3 joints pré-roulés. Ace Valley. Ace Valley, ACE. ACE Valley, une compagnie qu'on connaît pas. Ça ici, Pure Sun Farm. Pure Sun Farm. Je connais pas ça non plus. Ici, il y a un autre petit paquet. Ok, avec des échantillons. Merci, merci. Hey, vraiment, vous me gâtez. Le facteur va peut-être moins passer, là. Hein? Tabarouette, t'as bloqué ça, mon homme. Mais ça sentait pas. Pas d'odeur. Alright, Jean. Regardez ça, tout le monde. Je commence avec celui qui est vide, puis il était vraiment fermé. Maurice Kush. On se rappelle que quand j'ai fait la vidéo avec Maurice, vidéo rencontre, avec toute l'histoire qui est arrivée avec Maurice, c'est devenu une icône, Maurice. Et puis Jean, il aimait beaucoup ça, on parlait de lui. On faisait beaucoup, beaucoup de jokes là, dans les lives. Quand je faisais des vidéos live, le monde dans le chat, là, on se comptait plein de jokes, ça me faisait rire, puis tout le monde riait en même temps. Donc, Jean qui m'envoie des échantillons de CBD, des échantillons comme ça. Et puis, le premier échantillon que je pogne, c'est Maurice Kush. C'est vraiment une blague. Et puis, le produit est vide, là, puis... Point d'interrogation pour le taux de THC, point d'interrogation pour le taux de CBD. Merci à Thomas, Charlot, Olivier, Antoine pour la qualité de cannabis que m'ont envoyé les gars. Le LA Confidential, c'est le meilleur des 3 jusqu'à date. Le couche-couche qui était gazi, mais je l'aimais. C'est pareil comme DNA génétique. Leur couche-couche, un petit goût que j'aime pas, c'est comme ça, mais la qualité était là. Après ça, on avait dit quoi?
Purple Haze. Mais là, le LA Confidential, à date, c'est le meilleur des trois. Donc, des produits sûrement que tu as pris en Ontario, Jean. Le Skunk Haze. 5.5 THC, 10 de CBD. Donc, on va essayer ça, produit CBD. Canatonic, il n'y a pas de THC, 0.6, même pas 1. Puis, il y a 13 de CBD. En haut de 12, là, ça fait du bien à l'esprit, là, à la tête, le CBD. Hein. J'aime beaucoup le CBD, mais je m'en procure pas. Là, hein. Ça coûte des sous. Par contre, je me suis procuré. J'ai ici présentement Étoile Polaire CBD, le meilleur cannabis au goût de Weedman de toute la SQDC. Mais là, c'est sûr que là, il y a le Wired Break là, qui était vraiment très bon. Peut-être que c'est pas mon préféré, là, le Étoile Polaire CBD, mais excellent goût, fruité, même pas gazi, vraiment fruité, fruité sucré là. Parce que je suis pas capable de mettre le doigt sur le fruit exactement de Étoile Polaire CBD. Mais vraiment le excellent goût Étoile Polaire CBD. Cali-O, California Orange, 7.7 THC, 9 CBD. Et puis ici ça s'appelle THC CBD Indica. Ça serait peut-être la première question que je te poserais. THC CBD Indica, c'est quelle marque qui fait ça? C'est un drôle de nom. Il y a 6% de THC, 12.5% de CBD. THC CBD Indica, je trouve ça bizarre comme nom celui-là. Écoute, merci vraiment, vraiment là, à Jean qui m'a envoyé là, plein d'échantillons, des joints pré-roulés. Merci beaucoup, man. Ça va me donner beaucoup de contenu. Ça va vraiment m'aider pour faire des vidéos. Des joints pré-roulés. Un lighter. Puis la corde de chambre, là, faut falloir que je trouve une utilité à ça. Là. À moins que j'allume mes joints avec ça. Je suis pas sûr. Alright. Mets ça de côté, ça, Jean. Je vais mettre ça de côté. C'est Noël ici, c'est Noël. Hey, Rockstar Kush. Post-Canada. Aïe, 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 aïe. Alright. Plus le Mike Tyson. Alright. On ouvre celui-là ici. Non. Celui-là ici. Ouais, celui-là ici en premier. Et puis, oubliez pas, Weedman, c'est Entertainment, ok? Quand je vais arriver à un des deux cadeaux, je pense que c'est celui-là, ok? Entertainment, les boys. Alright. La personne qui m'a donné le cadeau a même été avisée, puis a été d'accord avec ça. 23 minutes, j'espère qu'il ne va pas scraper la vidéo. J'espère que ça va bien aller, parce que si la vidéo il coupe après celle-là, c'est parce que ça n'a pas bien été à celle-là, puis on va se reprendre. Alright, là, j'te un peu, là, tu sais plus ce qu'on s'en va. Hein? Je rouvre deux cadeaux. Pas compliqué. Je vais rouvrir deux cadeaux, puis on a du fun site, le gros. Là. On a du fun site, là. Plein contrôle. Plein contrôle. Hey, s'il y en a un qui a sauté cette partie-là du vidéo, puis qui arrive à l'autre bord, peut-être qu'il va dire, hey man, t'es pas correct, man. Alright. Weedman, c'est quoi? Weedman, c'est l'original. Weedman, c'est la référence. Weedman, c'est le divertissement après. C'est l'information. Alright? On fait ça pour le fun. Ok, on sort le couteau. Ça, c'est un autre produit à Jean. Ouais, ça a un goût pinène, là. Sapin-pin. Avec un goût que j'aime, que je n'étais pas capable de décrire. Mais avec les descriptions, là, on réalise que c'est le fameux skunk. Alright. Merci à mes Patreons qui m'encouragent à chaque mois avec un petit montant.
Merci les boys, merci. Alright, j'ai un cadeau ici. Une boîte. Et puis ça, ça vient de Benoît. Merci à toi Benoît, je sais pas que ça a de l'air. Mais vous savez les boys que j'utilise souvent ma loupe, hein, pour ma loupe est où, est ici. Vous voyez, j'ai une loupe pour voir un peu là, les instructions. C'est déjà une enveloppe. Des lunettes. Waouh! Des lunettes avec lumière. Et puis, il y a de la force. Hey boy! Ok, on va faire. On va pratiquer ça. On va prendre mon affaire de spray set là, que j'ai pas encore. Ah, ça fonctionne au bout. Waouh! Bro, incroyable! Incroyable! Merci, mon Benoît. Tabarouette, man! Tu me vois-tu de même? Faut que ça fasse une photo pour le YouTube. J'espère que ça va fonctionner. Alright. Comment je l'ai accroché, piton? Super, man! J'ai toute la classe, man! Ça m'a grandi sur un esti, je pense. J'espère que ça a apparu dans. J'espère que ça apparaît dans. Quand on avait ça, la photo, là. Ah ouais! Alright. Merci beaucoup, Benoît. Incroyable, incroyable. Ça, il y a un petit quelque chose ici, c'est quoi? Pour nettoyer, peut-être? Ok, c'est une lumière belle. C'est, faut que je le branche pour recharger la batterie. Wow, wow. Alright, alright. Tabarouette, t'as-tu ça, le gros, des lunettes, aussi? Wow! Mais merci à Benoît, merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui me donne des cadeaux. Ça m'encourage en maudit, hein? Je peux pas te le cacher. Nice. Ah oui, j'ai de la misère à voir. Je vieillis. Alright. C'est incroyable. Ah, y a de la trombone ici, mon homme. Je peux commencer à troquer ma trombone contre un crayon. Puis tu sais, le gars qui a commencé avec une trombone, s'est retrouvé avec une petite maison, là. En Saskatchewan. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tabarnak, je me demande c'est quoi qu'il y a là-dedans, man. M'a allumé mon joint. Vraiment, merci à Jean. Merci à Benoît. Merci à Yannick. C'est trois gars qui me suivent beaucoup, qui m'encouragent beaucoup. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, les boys. Et puis ça, c'est un cadeau de qui? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais c'est qui m'a envoyé ça, c'est Dominique. Vous connaissez Dominique. Dominique qui m'a envoyé ça ici. Dominique m'a envoyé plein d'affaires. C'est lui qui m'a envoyé le microscope là, pour voir les trichomes. Merci Dom. Merci Dom. Et puis, j'espère que ça va bien aller. Alright. On y va. On ouvre ça. C'est quelle soirée, man. Je suis vraiment content. C'est vraiment exceptionnel, man. C'est vraiment exceptionnel. Oh. 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 Houseplant Indica, man. Méchant cadeau. Hein? Méchant cadeau. Genre le cadeau empoisonné. Hein? Ah, merci Dom. Merci Dom. Houseplant Indica. Si tu veux avoir du fun, ben va voir ma vidéo que j'ai faite sur le Houseplant. Une des 5 vidéos les plus populaires de Winman. Donc fais Houseplant Winman dans la recherche puis tu vas le trouver. Je suis curieux. Curieux de voir ça. Houseplant s'est mis de canopy, ça part mal. Et puis avec la vidéo que j'ai faite sur le haut houseplant, je pense qu'il n'y a pas de chance de s'en sortir cette variété-là.
On va leur donner une chance. Et on va leur faire une vidéo sur, pas sur mesure, une vidéo adéquate, comme toutes les autres variétés de cannabis. Elle va partir à zéro. Elle partira pas à moins 20. Dom. Merci. Merci, Dom. Houseplant. Oui, il y en a sur le site de la SQDC. Oui. Dans les 41 produits, là, je vais aller voir pour toi. Parce que t'aimerais ça l'essayer en même temps que moi. Hein? En regardant la vidéo à Weedman. On fume du houseplant ensemble. Colin! Ouais, du fun tout à l'heure. Hein? Il y a le houseplant hybride. Houseplant sativa. Puis, man, le houseplant indica, il est pas là, je pense. On va l'écrire en haut. Es-tu sérieux? Le houseplant indica serait pas disponible? Non, tu me niaises. Oh, il est pas disponible. OK. Il doit être bon, il doit être de qualité. 43,90$, hein? Baisse de 20 sous. Baisse de quoi? 20 sous? 30 sous? Hey, reste avec moi, je vais juste voir une baisse de combien. Je vais aller voir dans l'autre, je l'avais-tu écrit? Faut que je voie ça. En tout cas. Mais je sais que c'est une baisse vraiment minime. Vraiment minime comme. Comme baisse de prix, là. OK. Merci à Dominique. Merci vraiment, Dom. J'ai hâte d'essayer ça. J'ai hâte de faire la vidéo. Jean, c'est incroyable. Toutes les variétés que tu m'as données. Yannick. Wow. Watatao, hein. Ça, ouh, j'ai chaud. Et Benoît, merci pour les lunettes, super bonne idée, je vais les utiliser. Et puis, ça me donne du style. Donne un pouce à la vidéo, et puis abonne-toi, active la cloche, comme ça tu vas être averti pour les prochaines vidéos à venir. Merci, ciao.